Nous voilà au départ du trou numéro 18, le dernier. Donc on a un par 3 de 180 mètres. Aujourd'hui en montée, vent de face. Donc sur ce trou là, au départ, le plus important c'est de se soucier du bunker qui est devant le green. On peut le contourner à gauche, on peut un peu contourner le bunker par la droite, mais il y a quand même moins de place. Sinon, l'option c'est vraiment de taper pour le dépasser. Il n'y a presque rien derrière le green. Donc on pourrait tenter d'aller plus loin, mais évidemment il y a quand même une longueur. Donc aujourd'hui, on va passer le bunker, essayer de la mettre sur le green. Pour finir le parcours, ce sera très bien. Ça vole plutôt pas mal. C'est sur le green ou juste au bord. Ce sera très bon. Donc voilà, on est au bord du trou numéro 18. Le bunker est survolé. La balle est plutôt sur le pré-green à 12 mètres du drapeau. Donc j'espère, comme vous l'enseignent vos enseignants, rien ne vaut un bon coup de putter, parce qu'on sait que même un mauvais coup de putter est toujours meilleur qu'une mauvaise approche. C'est pas trop mal. Allez, le dernier putt peut-être de la partie à 80 cm. Le putt que tout le monde adore également, c'est une certitude. Et ce sera le par. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir le golf du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec nous. N'hésitez pas à venir, on vous accueillera avec grand plaisir, que ce soit en cours ou pour un green fee ou juste pour boire un verre. Et puis je vous dis à bientôt.